Bonjour, on est le vendredi 3 novembre 2023. Une séquence donc qui intéresse principalement les étudiants inscrits en DSCG, donc dans le cadre de l'UE2. On va aborder un thème, une thématique pour tout ce qui est trésorerie, une des composantes de cette partie du programme est ce qu'on appelle le netting. Donc le netting, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va prendre l'exemple très simple. On a par exemple une entreprise qui a un groupe qui a 4 filiales, mais réparties dans le monde. Il y a une filiale qui est aux USA, une filiale qui est en France, une filiale qui est en Grande-Bretagne et une filiale qui est en Suisse. Donc d'abord, chacune des filiales va bien sûr émettre dans sa propre devise. Autrement dit, la filiale américaine doit de l'argent à la filiale française, elle va donc la payer en dollars. La filiale française doit de l'argent à la filiale américaine, elle va la payer donc en euros. La filiale de Grande-Bretagne doit de l'argent à la filiale suisse, elle va la payer en livres sterling. La filiale suisse doit de l'argent à la filiale française, elle va la payer en francs suisses. Et qu'est-ce qui va se passer normalement? Dans chaque pays, vous avez ce qu'on appelle une conversion de devises. C'est ce qu'on va appeler la conversion croisée. Donc, chaque pays va convertir dans sa devise. Donc, forcément, tout ça a un coût. De plus, vous avez ce qu'on appelle des échanges. Donc, vous avez, par exemple, de l'argent qui va sortir des USA, qui va aller vers la filiale française. Mais la filiale américaine va recevoir de l'argent de la filiale suisse. Donc, il va falloir trouver ce qu'on appelle une façon de mutualiser tout ça et de rentabiliser toutes ces transactions, que ce soit en termes de change et en termes de changement de flux. Alors, ce qu'on va prendre, on va prendre d'abord un exemple dans lequel on va placer nos 4 filiales et bien sûr, on va mettre devant en disant que telle filiale doit tant à telle filiale, etc., etc. Voilà le schéma. Le schéma, il est ainsi. Vous avez donc ici la filiale américaine. Donc vous avez ici USA. La filiale américaine, donc USA. Vous avez ici la filiale française, donc j'écris F. Vous avez ici la filiale américaine, anglaise, Grande-Bretagne, j'écris GB. Et vous avez ici la filiale suisse. Alors, je vais commencer par d'abord l'échange entre les USA et la Grande-Bretagne. Donc, voilà ce qu'on doit. Alors, je raisonne dans la monnaie. Alors, bien sûr, toutes les monnaies au départ, dollars, euros, dollars, livres sterling, francs suisses, euros, toutes les conversions ont été faites. Donc, tout ce que je vous donne ici, c'est dans la monnaie européenne, tout est en euros. Donc tout ce que j'ai écrit ici, c'est en euros. Allez, on va dire pour faire simple, en milliers d'euros. Donc là, après conversion, voilà ce que ça donne. Après conversion, nous avons pour la filiale américaine, elle doit verser 200. Elle doit verser 200 à la filiale anglaise, donc ici 200. Et elle doit recevoir 50. Donc elle verse 200 et elle reçoit 50. Ensuite, la filiale anglaise de Grande-Bretagne, elle doit à la filiale suisse 300 et elle reçoit de la filiale suisse 120. La filiale suisse, elle doit à la filiale française 80 et elle reçoit de la filiale française, elle reçoit 100. Ensuite, la filiale américaine, elle doit verser à la filiale française 130 et elle reçoit de la filiale française 80. Alors, pour pas trop charger le schéma, on va dire que la filiale française doit verser à la filiale anglaise, la filiale française donc doit verser à la filiale anglaise, on va dire 80, et elle reçoit de la filiale anglaise
elle reçoit 100. Encore une fois, toutes ces monnaies ont été converties. Donc, je ferai éventuellement une séquence pour vous montrer comment on effectue ce qu'on appelle des conversions croisées lorsqu'on passe d'une monnaie à une autre. Okay? Donc, ça, c'est une opération arithmétique relativement simple, donc, que vous pouvez vous-même effectuer. Donc, voilà maintenant, première étape, on va convertir. On va d'abord dire, regardez bien, si on n'avait que deux filiales, USA, Grande-Bretagne, ben, au lieu d'effectuer deux transactions, on peut en effectuer qu'une seule. Ce qu'on appelle ici une relation entre deux filiales. Au lieu de verser 200 et de recevoir 50, ben, on regarde le solde. Verser 200, recevoir 50, revient tout simplement à verser à la filiale anglaise 200 moins 50, 150. Donc je vais refaire le schéma où je vais bien sûr simplifier ces transactions en les réduisant déjà, donc en effectuant une première compensation. Donc ça déjà, ça limite le coût. Et bien sûr, au travers de ça, il faut bien noter qu'entre-temps, on a effectué des conversions d'une monnaie à l'autre. Donc tout ça a un coût. L'avantage du netting, ça revient à optimiser toutes ces relations, tous ces flux, tous ces changements de devises. Alors je commence par donc USA. Donc j'ai USA, USA, France, Grande-Bretagne et bien sûr Suisse. Je vais donc convertir, simplifier. Donc ici, mon solde est de 150 sortant des USA. 150. Alors ça, je crois que je me trompe de stylo. Voilà. 150 sortant des USA. 150. Ici, j'ai 130, 80. Donc vous avez compris, j'ai un solde de 50 dans ce sens. 50. Ici, j'ai 300, 120. J'ai un solde de 180. Ici, j'ai 80, 100. Donc, j'ai forcément une entrée de 20. Je répète, 100 moins 80. Ici, le dernier point ici, 80, 100. D'accord? 80, 100. 100 dans ce sens, 80 dans l'autre sens. J'ai donc forcément ici un solde de 100 moins 80, 20. Donc vous voyez déjà comment on a réduit notre schéma. Dernière étape, on va donc maintenant trouver un organisme qui va centraliser tout ça et qui c'est lui-même qui effectuera les conversions de devises, en essayant sur le marché de trouver les meilleurs taux possibles. Donc, vous voyez un peu le gain pour la filiale, pour le groupe, pardon. Donc ici, je vais remplacer tout ça par ce qu'on appelle ici, là, une chambre de compensation qu'on appelle le netting. Je mets la lettre N pour netting. Je mets mes quatre filiales, USA, France, Grande-Bretagne, et Suisse. Très bien. Ici, regardez bien. USA, sortie 50 et sortie 150. Et ben, tout simplement, au lieu d'effectuer ces deux versements, la filiale américaine va effectuer un seul versement de 150 plus 50, ce qui veut dire qu'elle va effectuer un seul versement de tout simplement de 150 plus 50 de 200. Donc là, elle va effectuer un seul versement de 200. Très bien. Maintenant, je me place ici pour la Grande-Bretagne. Regardez bien. Il y a des flux entrants, des flux sortants. On fait le solde. C'est comme le schéma électrique, en fait. Hein. Vous avez des entrées de. Voilà. Donc ici, j'ai 150 qui entrent. J'ai 200 qui sortent. Je répète. 20 et 180, 200. Donc 250, 200 qui sortent et 50 qui entrent. 50 qui entrent, ça fait donc que s'il y a 200 qui sortent et 50 qui entrent, ça fait un solde de 50 qui sort.
Donc, de la filiale anglaise, j'ai, bien entendu, j'ai 50 qui sortent. Donc, de la filiale anglaise, je vais avoir ici 50. OK? Maintenant, pour la filiale suisse, j'ai 180 qui entrent et 20 qui entrent. Donc, il y a une entrée de combien? De 200. Donc, bien sûr, quand il y a une entrée de 200, c'est la chambre ici de netting qui va effectivement effectuer ce versement qui sera égal à combien, tout simplement? À 200. Alors, 200, tac, 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 à. OK. Donc, je répète. Pour la filiale suisse, donc 180. Alors, donc ici, on a dit 180 plus 20, ça fait donc 200. Donc, 200 qui vont entrer. Voilà. Et maintenant, la filiale française, regardez ce qui se passe. La filiale française, il y a 50 qui entrent, il y a 20 qui entrent, ça fait 70, mais il y a 20 qui sortent. Donc, in fine, pour la filiale française, il y a 50 qui vont entrer, puisque ces 20-là, pardon, il y a 20 qui entrent, 50 qui entrent, ça fait 70, et il y a 20 qui sortent, donc il y a une entrée de 50. Donc, ici, pour la filiale française, il y a une entrée de 50. Alors, si on regarde bien le solde, qu'est-ce qu'on a? On a en entrée. Il y a 50 qui entrent, plus 200 qui entrent, ça fait 200 plus 50, ça fait 250. Et bien sûr, la compensation, c'est 200 et 50 qui sortent, ça fait bien un solde égal à 0. Autrement dit, tout ce qui entre d'un côté va sortir de l'autre. Et toute cette manipulation-là, on a fait donc l'économie de plusieurs choses. On a évité des échanges. On a évité des conversions de monnaie. Donc, cette situation-là est bien sûr plus avantageuse d'un point de vue financier en termes de coût pour le groupe. Donc, l'opération de netting s'opère ainsi. Donc, vous avez au départ la première partie où vous avez la première phase conversion dans la devise. Hein, vous choisissez une devise. Donc, ici, on a choisi l'euro. Ensuite, de façon bilatérale, vous compensez ce que vous avez en entrée-sortie. Donc, si ici ça sort à 200 et ça entre à 50, ça veut dire qu'il y a une sortie à 150. Donc, à chaque fois, vous aurez simplement un flux, soit un flux entrant, soit un flux sortant. Après, pour chaque filiale, vous faites le total des sortants et le total des entrants. Et vous avez le solde, soit un flux qui va vers le netting ou un flux que l'on reçoit depuis le netting. Donc ici, par exemple, ici, ça sort à 150, ça entre à 50, je répète, ça sort, pardon, oui, ça sort à 150 et ça sort à 50, donc ça va sortir à 200. Donc si ça va sortir à 200, ça veut dire que les USA vont verser 200 au netting. Ici, pour les Suisses, il y a une entrée de 180 et une entrée de 20, donc le netting va verser à la filiale suisse 200, etc. Voilà comment les choses s'opèrent. Je vous dis à une prochaine séquence et merci de partager avec vos camarades de classe. À bientôt.